pyjama, c'est fini pour toi. Affronte tes peurs. Arrête! Ton truc, j'en ai déjà pris pour rigoler! Alors, tu vas adorer ma nouvelle formule. Tu as une tolérance élevée. Mais tout le monde a peur de quelque chose. Ce sera bientôt. Mais tout le monde a peur de quelque chose. Bonjour, la migraine. Ce n'est pas terminé.
Ma petite Harley, regarde-toi. Une grande fille comme toi, qui se déguise en super-héros, qui joue dans la Batcave. Mais tu l'entends. La vraie. J'entends quoi? La vraie, toi, cachée sous le plancher. Gratte, gratte, attends pour en sortir. Celle qui aurait égorgé tous ses copains. Quick! Et que ça aurait fait mal. C'est marlé. Oh, Harley, tu m'as toujours tellement déçu. Pourquoi j'insiste? C'est pas un beau parleur avec un costume pourri et un sourire bidon qui va me dire qui je suis. Entre nous, ça a été l'amour fou. Mais ça, c'était avant, Monsieur J. Allons-y avant qu'il lève l'ancre. C'est quand mon marais brûle. Thank you.
récolte ce que tu as semé. Belle journée pour fracasser des crânes. Vraiment eu la main verte. Bon, tu vas m'écouter maintenant. C'est l'épouvantail et ses hommes que tu cherches. Ils font du gaz toxique chez toi. On est venu les arrêter. Je vois. Je serai prêt. Oh, Swamp Thing, c'est toi le meilleur. Si jamais tu veux faire partie de l'équipe, on serait ravis de... J'y réfléchirai si vos intérêts se rejoignent un jour. Pour l'heure, partez. Le marais doit guérir. Où étais-tu ? Là, dans les nuages. J'écoute. Si quelqu'un te voyait... Combien de fois il faudra te le dire ? C'est dangereux de sortir de Kandak. J'ai passé des dizaines d'années perdues dans l'espace en hypersommeil jusqu'à ce qu'Adam me trouve. Et maintenant, on m'enferme ici. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu te sentes mieux ? Laissez-moi sortir. Diana, tu m'as montré l'étendue de mes pouvoirs. Ce monde a besoin d'aide. Les habitants de la Terre sont si divisés, toujours à se battre. C'est parce que Kal-El n'est pas là. Batman a des yeux partout. Il faut absolument te cacher, nous ne sommes pas prêts. Je n'ai pas peur d'un homme qui porte un masque. Je suis capable de plier l'acier à main nue. Ton cousin le pouvait aussi. Mais... à quoi ça me sert ces pouvoirs si je peux même pas aider Kal-El ? Nous l'aiderons, Kara. Tout comme nous avons aidé Diana à fuir Temiscira. Notre heure viendra. Nous sauverons Kal-El. Et Batman devra répondre de ses actes. Notre meilleure chance d'arrêter Grodd est une frappe préventive. Ça relève plus du militaire que du justicier. T'as essayé d'appeler l'armée ? Il n'y a pas d'armée. Pas encore. Pour faire tomber le régime, on a dû tout reprendre à zéro. Alors, quoi ? À nous trois, on neutralise Grodd et toute son armée de gorilles ? Grodd est leur leader. Si on le neutralise, les autres se soumettront. Mais attention à ne pas tomber sur des membres de sa société. Ils sont mieux organisés qu'on le pensait. Prochain arrêt, Gorilla City. Va falloir appeler la babysitter. Maman et papa vont encore rentrer tard. Si ça fait trop pour toi et Holly, Dina, je peux demander à Blue Beetle et Firestorm de prendre le relais. Non, on s'en occupe. Ça fait longtemps que vous avez raccroché, et vous avez une famille. Tu fais partie de cette famille, Bruce. J'ai pas pu être là pour finir le combat contre Superman. Hors de question que j'abandonne celui-là. Yes!
C'est un grand jour. Dans quelques heures, nous briserons le joug de l'oppression. À jamais ! Plus de régime ! Plus de Ligue des Justiciers ! Aujourd'hui, le monde accueille ses nouveaux maîtres. La société ! Aujourd'hui, nous montrons au monde que nous sommes supérieurs. Aujourd'hui, nous mettons quiconque osera se dresser contre nous à genoux. Complexe d'infériorité, sûrement pas pour lui. C'est pas seulement quelques membres de la société, ils sont tous... Ils vont à l'intérieur, hors de vue des soldats. Harley, laisse le moteur tourner. À mon signal, tu nous sors de là. C'était pas vraiment subtil, Grodd. Tu as débauché la plume de Superman ? Les soldats doivent être surmotivés pour accepter de risquer leur vie, Catwoman. La haine est la plus grande des motivations. Ne retourne pas cette haine contre nous, ou c'en est fini de ta société. Tant que nous serons sur la même longueur d'onde, Captain Cold, tu n'as rien à craindre. Tu veux dire tant qu'on suivra tes ordres. Deadshot, au rapport. On est prêt à y aller. C'est bien. Va prévenir les autres. Cheetah, Cold, vous partez devant. On a déjà perdu une cargaison à Slaughter Swamp. J'espère que ton partenaire mystère est sur le coup. Tu pourrais peut-être nous dire qui est ce fameux partenaire mystère, puisqu'il, ou alors elle, est si important. Il se fera bientôt connaître, mais avant... Mais avant, un petit mot de l'Alliance des Héros. On est une alliance, pas vrai? Mais bien sûr, puisqu'on est mariés. Les saboteurs de Slaughter Swamp, je présume. À vous de jouer. C'est moi la Prums, compris? Va t'occuper du catcheur. Tu n'as vraiment pas idée de ce que tu fais. Bien sûr que si, je suis à Gorilla City et j'affronte une femme en tenue de chat. Je vais pouvoir rayer ça de ma liste.